S'en griller une sur un banc sous les platanes, cela ne sera bientôt plus qu'un souvenir. À partir du 23 mai, les fumeurs new-yorkais devront dire adieu aux parcs, plages et zones piétonnes. Un pas de plus vers une ville sans fumée, cauchemar des fumeurs militants. Parmi eux, Audrey. À 46 ans, elle profite de sa retraite anticipée d'agent de police pour se consacrer à un jardinage subversif. J'en ai 75 ici et il y en a 25 dans le jardin. Soit un total de 100 plants de tabac dans son petit jardin de Brooklyn, et encore davantage au sous-sol, les récoltes d'une année suspendues feuille par feuille. Comptez un rendement de 80 cigarettes par plant et plus de $3000 économisés en un an. Vous les étendez le long du fil les unes après les autres jusqu'à ce que vous ayez rempli la ligne. Il faut les espacer pour qu'elles respirent. Mais au-delà de l'intérêt économique, c'est davantage un geste politique que revendique Audrey. Pour elle, c'est clair, la ville s'attaque à ses droits fondamentaux. Quand la loi est aussi ridicule et qu'ils n'ont rien derrière pour la justifier, à part l'envie de punir les gens qui ont choisi de fumer un produit légal. Quand vous en arrivez là, c'est le moment de leur faire un bras d'honneur et de dire « nous ne reculerons pas ». En 2000, Audrey crée le lobby citoyen contre le harcèlement des fumeurs en réaction à l'augmentation des taxes sur le tabac. Aujourd'hui, le groupe compte 800 abonnés. Tant qu'on donnera de la voix, ce sera un débat. Et tant que ce sera un débat, la question ne sera pas close. Audrey a donné rendez-vous à tous les fumeurs de New York fin mai pour un smoking dans les parcs de la ville. Exhaler ses volutes au vert une dernière fois.